maloba nini yo honde lizibaya bolingo yoponangai senangolu na yo nazalina mo. Quand vous voyez le signe du Messie, ça montre que tout arrive à la fin. Amen. Amen. Ce n'est pas même question de se réjouir. C'est une question de regarder votre vie, de donner votre vie à Jésus. Mais beaucoup prennent cela comme un sujet de joie. C'est pourquoi toutefois je l'ai toujours dit, entrer dans la pensée du prophète. Amen. Amen. Ne faut pas peut-être prendre seulement ce qu'il a dit, mais entrer dans sa pensée. Beaucoup aujourd'hui n'entrent pas dans la pensée du prophète. Lisons ensemble avec moi dans Jean 17:3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais continuer avec mon thème croire dans l'envoyé de Dieu. Bien reconnaître l'envoyé de Dieu. Je vais essayer de faire un pas en arrière. Nous avons vu la fois passée que Jésus était un envoyé de Dieu. Amen. Amen. Jésus était un envoyé. Dans Jean 3, il confirme cela. Dans Jean 3:17, que Jésus était l'envoyé. Dans Jean 5:23, on dit que Jésus était envoyé. Envoyé par son propre père. Amen, amen. Amen. Et le père qui avait envoyé Jésus était avec Jésus. Il n'était pas loin de lui. Il les confirmait. Dieu n'est pas quelqu'un quand il envoie quelqu'un. Et après lui reste. Non, non. Il accompagne la personne. Pourquoi il a dit à Moïse, je serai avec toi. Mon ange marchera avec toi. Avec Josué, la même chose. Le Dieu qui avait envoyé Jésus était avec Jésus. Amen. Amen. Et Jésus qui a envoyé Branham était avec Branham. Et c'est Dieu qui m'a placé ici. Il est ensemble avec moi. Je peux recevoir un amen. Amen. Le père était avec lui. Il marchait avec lui. Jean 8:17. 18 et puis 29. Et celui que Dieu a envoyé ne cherchera pas sa gloire. Il cherchera toujours la gloire de celui qui l'a envoyé. Comme nous avons vu beaucoup des envoyés dans le monde, au lieu de parler de celui qui les a envoyés, ils
commencent à parler, à chercher leur propre gloire. Abandi komi lobela tope koluka lokumu na yemoko. Comme les gens de Kimbangu, ils louent Kimbangu depuis que le Seigneur Jésus. Lokwa bandimi ya Kimbangu bako kumisa Kimbangu koleka Yesu. Les autres disent qu'il est le père de Jésus. Bamisu bakolobete yende tata moboti na Yesu. Les autres disent qu'il est le Saint-Esprit. Bamisu bazolobete yende molimo mosanto. Ils ont mangé les billes. Basili kobima libanda na nzela. Celui qui est déjà envoyé parlera plus de celui qui l'a envoyé. Motonza matindi akobeta lisolo mingi ya moto wa patindi ye. Yayi quelqu'un kadi mama akwidi. Ezalaka na mobali moko abenga mikadi mama akwidi. Il est venu en tant qu'il a envoyé. Ayaki lokwa motinda mi. Mais à la fin il est devenu lui-même Dieu. Nasuka ye moko mikomi sinzambe. Et les gens commençaient à l'adorer. Nous avons vu quelqu'un Muku na Chipui. Tomona mosusu Muku na Chipui. Il voulait amener les gens à l'adorer. Le véritable envoyé ne parlera jamais de lui-même. Mais il parlera de l'homme qui l'a envoyé. Si vous voulez lire cela, c'est dans Jean 5, 30. Jean 6, 38, 34. Dans Jean 7, 16. Et aussi 18. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup pour son père. Et Branham, il a beaucoup élevé le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, il adorait que Jésus. Et Jésus nous pose la question, comment faire l'œuvre de Dieu? Ce sont les gens qui ont posé même la question à Jésus. Dans Jean 6, il dit, il lui dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envahi. Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu. Que tu sois apôtre. Que tu sois évêque. Qui que tu sois. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Sans discerner d'abord celui que Dieu a envoyé. Et Jésus lui-même dit, tu ne peux pas voir le Père sans passer par moi. Qui était Jésus? Jésus était un envoyé. Je vais pas entendre un amen. Amen. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans reconnaître celui que Dieu a envoyé. Et Amos 3:7 nous dit, Amos Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Dans chaque âge, Dieu a ses prophètes. Il a ses envoyés. Je ne vais pas entendre un amen. Maintenant, pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois d'abord croire en celui que Dieu a envoyé. Pour avoir même la vie éternelle, tu dois d'abord reconnaître celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi celui qui n'a pas réussi l'envoyé de Dieu, il ne peut jamais avoir la vie éternelle. C'est pourquoi Jean 17 nous dit clairement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Oh non, non, nous nous adorons seulement Jésus. Nous nous traitons avec Dieu. Est-ce que dans la Bible il y a un endroit où les peuples traitaient avec Dieu? Sans un intermédiaire. Ça n'a jamais arrivé. Les peuples voulaient se rebeller contre Moïse. En disant Moïse, nous voulons aussi entendre ce Dieu-là nous parler. Lorsque Dieu est descendu pour parler au peuple, les peuples entendaient des grondements.
voix de Dieu. Quand que les peuples entendaient les grondements et les tonneurs. Mais Moïse entendait la voix de Dieu. Et les peuples ont fait Moïse, laisse-nous. Commençons par avec. Tu viens nous parler. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est une visitation de Dieu. Un prophète, c'est les yeux de Dieu. Un prophète, c'est les mains de Dieu. Un prophète, c'est un représentant de Dieu. Je ne parle pas des prophètes mineurs. Je parle des prophètes majeurs. Un prophète qui a la responsabilité. C'est pourquoi du temps de Paul, il y a eu un prophète appelé Akabis. Il a même prophétisé sur Paul. Des vraies prophéties. Et Paul a confirmé Akabis en tant qu'un prophète. Mais Paul a regardé Akabis, il a dit, toi Akabis, tu dois reconnaître que la parole est venue à moi. C'est moi qui ai la responsabilité de l'âge. Bien que Branham a dit que Joseph est un prophète. Pas seulement Joseph Branham. Chaque pasteur du haut de la chaire, c'est un prophète. Dans le Nouveau Testament, chaque prédicateur, c'est un prophète. Je peux recevoir un amen. Amen. Bien qu'il y a beaucoup de prophètes vraiment dans les églises, mais dans cet âge, nous avons qu'un seul prophète majeur. Son nom, c'est William Marion Branham. Joseph Branham n'a pas son message. Il est prophète pour Branham Tabernacle. Nous n'avons qu'un seul prophète que Dieu a envoyé dans cet âge. Son nom, c'est William Branham. Amen. Je peux recevoir un grand amen. Amen. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est pourquoi le jeune homme riche, il était sincère. Il a touré. Il ne touchait pas la femme d'autrui. Vraiment, il était vraiment sincère. Mais malgré toute sa sincérité, Dieu lui dit, tu dois viens et suis-moi. Parce qu'il manquait la vie éternelle. C'est pourquoi une bonne éducation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Être bien éduqué. Tu peux venir à l'église, le passé vous éduque. Ne touchez pas la forme d'autrui. Il faut payer la dîme, il faut craindre Dieu. L'homme riche craignait Dieu. Une bonne éducation. Il a dit même à Jésus, tous les 10 commandements, je l'ai suivi depuis le bas âge. Mais il lui manquait une chose. C'était la vie éternelle. Jésus lui dit, pour avoir la vie éternelle, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Qui était Jésus? L'envoyé de Dieu. Pour avoir la vie éternelle. Quelle que soit votre bonne éducation, tu dois d'abord être derrière celui qui est déjà envoyé. Et Dieu n'a jamais envoyé deux têtes dans un âge. Deux prophètes dans un âge. Il
Il envoie vraiment, il envoie qu'un seul prophète majeur. C'est tout. Je peux recevoir un grand amen. Amen. Dieu n'a jamais placé des pasteurs dans une église. Des chefs ne peuvent pas diriger une maison. C'est pourquoi c'est l'homme qui est à la tête. Une maison où la femme veut toujours dominer l'homme, cette maison-là n'aura jamais la paix. Fais pas non, si vous voyez une maison qui a beaucoup de troubles, c'est la femme qui a, la femme qui a. Ne comprends pas le bête. Ceux qui ont moni libota topenda kumoko boyo kanezali penza tembulungani. Moi sinde azala rapena kolombulungani. Parce qu'il veut tous dominer la maison. Po bango ba balé balingi ba tondo ba kontwa kati na libota. Donner l'ordre. Bango manso balingi ba pesa mibeko. Dans cet âge. Ne lekoyo. Je le répète encore. Nazo bandelango lisusu. Nous avons un prophète majeur. Tozana mosakolika moko ya monene. Son nom c'est William Branham. William Marion Branham. Amen, amen. Amen. Oh, Joseph Branham, il est prophète, il a une double portion, frère. Ce sont des bons souhaits de son père. Oh, Joseph Branham, Azali Mosakoli, Ayami Bitenimi Bale, Yali Pakwa, Ezali Malam, et Alaki Posa Yatatana Yakoma Bongo. Oh, quand on le consacrait, son père avait fait une prière terrible. Oh, Tango Babuli Saka et Tatana, ce qui est à moi, mettez en lui. C'est comme moi quand je consacre mon fils Josué. Je vais le maudire. Seigneur, ce que moi j'ai fait, si j'ai fait un, lui qu'il fasse sept. C'est le souhait d'un bon père. Je peux recevoir un grand amen. Amen. Il n'y aura jamais quelqu'un. Il y aura la puissance ou bien l'onction de plus que William Branham dans cet âge. Même son fils Joseph. Je peux recevoir un grand amen. Amen. Personne ne fera jamais le miracle dans cet âge de plus que William Branham. Donnez-moi les amens, s'il vous plaît. Donnez-moi les amens. Amen. C'est pourquoi restons derrière William Branham. C'est lui l'unique et le seul prophète pour cet âge. Un ancien ne peut pas commencer à commander le monde. Gloire à Dieu. Parce que Joseph Branham, c'est une bonne personne. Ils ne sont pas comme les kimbangistes. Amen. Il a son poste du devoir. Pasteur de Branham Tabel. Il travaille à la voix de Dieu. Pour la voix de Dieu. Aille partout. Pour la voix de Dieu. Amen. Amen. Parce que s'il commence à nous commander, moi Joseph, je dis ceci. Moi je dis parce que moi je suis non, ça devient comme les kimbangistes. Ce qui a bandi copé sa biso mitindo. Et le message ne restera jamais une dénomination. Le message restera le message. Je peux entendre quand amen. Amen. Ces gens-là regardaient Jésus en disant, toi tu es qui toi? Tu es plus grand que notre Moïse, notre prophète. Tu es qui? Tu te prétends? Il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Ces gens-là demeuraient dans leur tradition. Et pourtant Dieu avance. Sortez dans vos traditions. Quand la dispensation change, toutes choses changent.
nyonso mabongwani. Le temps de Moïse était déjà passé. Tango Mose esi elekaka. Où Dieu était à la tête. On nzamba zalaka likolo na libota na ye. Maintenant Dieu était dans son fils. Sika wa nzamba zalaka kati na mwana na mobali. Amen, amen. Amen. C'était une autre dispensation du travail. Ezalaka ekeke mosusu ya mosala. Les gens, ils ont demeuré avec leur sincérité. Kasi atako bongo bato batikali pene na bosembo na bango. Leur attachement, c'est que Moïse avait dit. Batikali bakangami na malako na Mose. Et pourtant Dieu a fait déjà fait un pas. Tokande nzambe esi atambolaki. Amen. Amen. Il travaille maintenant dans son fils. Anako sala mosala kati na mwana na mobali. Dans ce temps-là. Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord croire Jésus. C'est ce que Jésus leur disait. Et rester en croyant Moïse. S'attachant aux lois de Moïse. Jésus dit non. Sautez dans ces choses. Il était avec Moïse. Atambolaka na Mose. Jésus même dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Yesu yemo kolobete nzamba zali nzambe abibembete. Il est le Dieu des vivants. Azali nzambe abato bakopema bana bomo. Ah, le temps de Moïse est déjà passé. Tango na Mose c'est le cas. Vous devez me croire. Esengeli na bino bondi melanga Yesu. Vous devez me croire. Esengeli bondi melanga Yesu. Si vous ne me croyez pas. Soki bondi melanga Yesu. Vous pensez que Dieu est notre père. Pe bozali kotato lete nzamba zali tata na bino. Vous confessez, il est notre père. Bozo tato lete nzamba tata na biso. Alors il n'est pas votre père. Vous avez pour père le diable. C'est pourquoi dans Jean 8 il dit, verset 8, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les péchés, c'est quoi? C'est de ne plus croire. C'est de ne plus croire la parole au temps présent. Ne pas croire Dieu dans sa forme d'aujourd'hui. Ne pas reconnaître Dieu dans sa forme conjuguée au temps présent. Et ils étaient restés avec Dieu dans l'époque de Moïse. Au temps ils ont traversé. La mer rouge quand ils ont traversé. Ils ont mangé des mannes. Oui, c'était dans les passés. Vous mourrez dans vos péchés. Les péchés, c'est quoi? Restez dans des traditions. Donnez-moi les amen. Amen. Oh, nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle. Oh, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vais vous apporter ce matin. À la croix, le travail n'était pas total. Il a donné seulement, il a payé le prix. Il est rentré. C'est ça la bonne nouvelle. Le travail n'était pas total. Il est venu aujourd'hui avec la forme du lion pour réclamer ceux-là qui ont été sauvés par le sang. C'est pourquoi Branham prie en disant notre Père, je réclame ceux-là que ton sang avait sauvé de l'est à l'ouest. Oh, nous avons la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. Oh, tu vois. On a crié là-bas. Dans Proverbe 5, qui est-il d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Oh, personne n'était pas digne. Personne n'était digne d'ouvrir au ciel sous les... Au ciel, sur la terre et sous le sol. J'ai une bonne nouvelle. Vous voulez recevoir la bonne nouvelle? Jésus sans nous.
Yesu kozanga biso. Il n'était pas digne de toucher cette livre là. Abonga kabete fongola bilembo wana. Derrière lui, il y avait une force. Na simaneza la kana bokasi moko. Gloire à Dieu. Cet agneau était un agneau spécial. L'agneau avait cette corne. Et sept yeux. Les sept cornes de l'agneau. C'est les sept âges de l'église. Les sept yeux. Ce sont les sept messagers. L'agneau n'était pas seul. Quand il est allé prendre le livre, Paul était là. Paolo Azalaka. Irène était là. Irène Azalaka. Branham au Saint-Ossou. Irène Payewan au Saint-Ossou. Les prophètes. Le messager. Les yeux de l'agneau. Il y a un voleur qui va venir. Attention. Elle va prendre. L'autre œil regarde en arrière. Qui vient pour voler? Et moi j'étais aussi là. Il y avait une multitude de croyants. Moi je n'étais pas en Paul. J'étais dans le septième message. Ça maintenant c'est une bonne nouvelle. Oyo yangonde babengi sango malamu ya tika. Parce que ce sont les choses que tu n'as jamais entendues. Pouetez en marquant. Ce n'est seulement que ce n'était pas d'une frère. Même l'agneau seul ne pouvait pas le toucher. Allez bien, te moto moko ta bonga kabe. Ndeko. Atamwana na pata la kana makokite ya ko sima. Il a fallu les yeux. Sans les yeux. Sans miso. Comment il pouvait voir? Donnez-moi les amens, frère. Donnez-moi les amens. Amen, 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 amen. Papa. C'est ça la bonne nouvelle. Sango malamu yasika. C'est terrible. Ezasomo. Tout fut, oui, Luc 7:16. Tout fut saisi de crainte. Et il glorifiait Dieu. Disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. C'est dans votre Bible. Lorsque vous voyez un prophète, c'est Dieu qui visite son peuple à travers ses prophètes. Dans 2 Chroniques 20:20, il dit: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quelqu'un peut me donner un amen? Pour être fortifié, avoir la force. Confiez-vous en Dieu. Mais pour la réussite. Confiez-vous en ses prophètes. Amos 3:7. Car l'Éternel notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ça veut dire Dieu travaille toujours avec ses prophètes. Ce sont ses envoyés. C'est pourquoi vous devez s'attacher à un prophète. Un peuple de Dieu sans les prophètes, il vit dans le noir. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui donne des prophéties. C'est un révélateur de la parole. Maintenant, aujourd'hui, avant que Dieu vienne détruire ce monde, que nous sommes à la fin. Même les autres, en tant que la prophétie de Los Angeles s'accomplisse de leur manière. Mais cette promesse est déjà accomplie. Cette prophétie est déjà accomplie. Les gens entendaient que tout Los Angeles. Mais il y a des côtés là où les gens ont fui et il y a de l'eau là-bas. Mais avant la fin de toutes choses, avant que Dieu brille ses morts, avant que Dieu détruise ses morts, il nous a promis Élie les prophètes. C'est dans Malachie 4. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des enfants à leur père. C'était de restaurer la vraie adoration. Restaurer les dons. Ramener les gens à la foi des apôtres. Ramener les gens à la vraie parole. Amen. Amen. Avant que le monde soit détruit, Dieu nous a promis un prophète. Et il nous dit dans Malachie 4 que ce prophète serait comme Moïse. Il nous ramène à la montagne d'Horeb. Où Moïse montait et descendait avec des préceptes et des ordonnances. Il dit, aujourd'hui ça sera pareil. Nous avons vu cela. Amen. Amen. Au Mont Sinai. Le 28 février 1963, où cette nuée était descendue, et un homme était là à l'intérieur. Et lorsqu'il est sorti de la nuée, il est venu avec le pardon. Pas seulement le pardon, en commençant du temps de Paul jusqu'à aujourd'hui. Toutes les paroles qui étaient restées en suspense. Cela était signifié aujourd'hui. Il dit, mais pour vous qui craigneront mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Nous avons vu la nuée, la même chose qui était arrivée du temps de Moïse. Est-ce que vous avez vu le soleil de la justice? C'est cette colonne de feu sur la tête de William. Donnez-moi les amens. Amen. C'est ça le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses yeux. C'est pourquoi Malachie 4 ne parle pas de Branham. Parce que le soleil de la justice, c'est Christ lui-même. Je peux recevoir un amen. Amen. Ça veut dire Malachie 4 n'est pas Branham.
Mais Malachi 4 s'est accompli dans la vie de William Branham. Parce que Dieu sans le corps, il est sans puissance. Il ne peut pas agir s'il n'y a pas le corps. Aujourd'hui, il a sanctifié un corps appelé Branham. Le soleil de la justice. Christ lui-même. Il est entré dans ce corps pour manifester l'office de l'homme. Et l'office de l'homme, c'est la totalité de la parole. Je peux recevoir un grand amen. Amen. Je peux recevoir un grand amen. Amen. Ça veut dire aujourd'hui. Malachi 4, c'est déjà de l'histoire. Les gens veulent que Dieu accomplisse la parole dans leur façon. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens veulent que Dieu accomplisse la parole dans leur manière de voir. Et bien de comprendre. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera dans une captivité. Pendant 400 ans. Vraiment, ma main puissante, je descendrai pour les livrer. Je les ferai sortir par les ailes de l'aigle. Beaucoup attendaient de voir une main qui descend du ciel. Entrez dans ma main. Peut-être l'aigle qui descend. Il monte sur l'aigle et il vole avec eux. Beaucoup entendaient comme cela. Mais ils ont vu vraiment un homme qui dit je suis le libérateur. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse était l'aigle. Il devait sortir les peuples. Je parle lentement pour que les gens me suivent. Je peux entendre un amen. Amen. On a promis dans Esaïe 60. Quelqu'un qui devait venir. Le Christ lui-même qui devait venir. Christ lui-même qui devait venir. Amen. Amen. Il y a beaucoup de promesses. On a parlé sur Jésus-Christ. Mais on n'avait pas cité son nom. Pareil pour Moïse, on n'avait pas dit qu'il y aura un Moïse, non. Quand Dieu fait la promesse, il ne donne pas le nom. Même quand on parlait de Jésus, on n'avait pas dit qu'il y aura un Jésus qui viendra, c'est lui qui sauverait le monde. Même dans Esaïe 53, lorsqu'on a parlé de Jean-Baptiste, on n'avait pas cité son nom. On a dit seulement une voix qui crie dans le désert. Même aujourd'hui, dans Malachi 4, on nous a promis Élie les prophètes. L'esprit d'Élie. C'est l'esprit de Dieu lui-même. Élie le Tishbite qui connaît son père et sa mère. Qui connaît son frère, il est venu d'où? Élie est sorti où? Il a grandi où? Il est né où? Élie a outa wapi. Abotama wapi, abokoma wapi, akola wapi. Et quand Élie est parti, le même esprit était revenu sur Élisée. Pour discerner que l'homme là a l'esprit d'Élie. Pour discerner que cet homme a l'esprit de Christ. Il agira comme Christ. Cet enfant, il a l'esprit de. Moi, non, Papa Wemba. Yebena, tozomona pena molimo a Papa Wemba kati na ye. Parce que il agit comme Papa Wemba. Pwete azo yemba lokola molanga nzembo wana. Ou un certain musicien mondain ou bien musicien chrétien. Kokanisa na molanga nzembo moko mo pagano to pe mo Christo. Maintenant, nous avons vu après le départ d'Élie, kasi tomoni Élisée agissant exactement comme Élie. Na simana kokende ya Elia.
Jean-Baptiste, la même chose. C'est un esprit qui n'a pas peur de pécher. Donnez-moi les amens. Surtout contre les femmes. Mingi mingi kotele melabasi. L'habillement des femmes. Molato yabasi. Élie a crondé sur Jézabel. Elia a gangela ki Jézabel. Il a crondé sur le roi Akab. A gangela kabo konza kaba. L'esprit d'Élie n'a pas peur d'un président. Molimo ya Elie ebanga kata mokonza mboka te. Ce qui est noir, il va pointer. Ce qui est rouge, il va pointer. Oya komona mabe akolobela yango. Je peux recevoir un amen. Amen. Je peux recevoir un amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur envoie encore le même esprit d'Élie. Et cet esprit d'Élie est entré dans frère Branham. C'est un prophète qui est contre les péchés. Et il restera une seule fois. Où l'esprit d'Élie ira là-bas en Israël. Ça sera Moïse. Et l'esprit d'Élie. Et les gens là agiront exactement comme Élie le faisait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il va faire descendre le feu au ciel. Il va faire comme Moïse, Élie agissait. Il a déjà utilisé cet esprit d'Élie 4 fois. Avec Élie le Tishbite, Élisée. Jean-Baptiste était Élie. C'est pourquoi tu peux lire frère Branham. Et au lieu de dire Élisée, il dit Élie. Au lieu de dire, tu vois un peu, parce que c'est toujours cet même esprit. Avant que Dieu détruise le monde, il nous a envoyé Élie. Avant que Dieu détruise ce monde ici, selon Malachie 4, Dieu nous a envoyé Élie. Cet Élie, c'est William Marion Branham. Élie, wana komo na ye ezali William Marion Branham. Quelqu'un peut me donner un amen? William Branham, c'est le prophète de Malachie 4. Branham azali mosakoli ya malaka minei. Je peux entendre un amen? Je peux recevoir un amen? Amen. L'Élie est déjà venu. Élie, ça y est. Il a parlé, il est parti. Lobby, ce qui nous reste, c'est le jugement. Dans la prédication, j'ai entendu, maintenant je vois. 181. Et vous voyez la véritable, authentique confirmation des Écritures dans ces messages de dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans sa condition sodomique soit brûlé par la couleur de Dieu. Vous voyez, Jésus retournera parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine, faisant les mêmes choses qu'il fit alors. Cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Amen. Cela devrait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Amen, amen, amen. Frère, quand vous dites amen à de telles choses, Dieu vous donne même le Saint-Esprit. Amen. Ndeko. Et lorsque vous voyez la véritable authentique confirmation des Écritures dans ces messages de dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, Tango
Après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et que juste avant que le monde dans sa condition sodomique soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez, Jésus retournera parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine, faisant la même chose qu'il fit alors. Lorsque aujourd'hui vous recevez Dieu dans la chair humaine, alors vous ramenez ton âme dans la gloire. Dans la prédication, comment communier? Jésus a ses soucis du message d'aujourd'hui. Pour accomplir ces mêmes œuvres comme il avait dit. Au point qu'il était mort et resté pour envoyer cela par le Saint-Esprit, le Consolateur. Manifester son ministère aujourd'hui. Comme quoi il est toujours vivant. Oh, il s'est assez soucié. Ne voudrions-nous pas nous soucier? C'est ça la question. Ne voudrions-nous pas nous soucier? Il est mort pour ce ministère ici. Amen, 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 amen. Akufa pona loto moyo. Je répète, il est mort pour ce ministère. Amen. Akufa pona loto moyo. Il est mort pour que le Saint-Esprit soit ici en ce jour pour manifester ces choses ici. Akufa pona molima mosanto. Esa la lelo pona koteli sa makamboyo. Il se soucie de vous. Azo yo kapasi pona bino. Il se soucie d'apporter cela ici. Azo yo kapasi pona komema yango. Il se soucie de faire la déclaration. Il se soucie parce qu'il vous aime. Il s'est assez soucié pour faire cela. Envoyez le Saint-Esprit pour ceci.
manifestant ses ministères aujourd'hui. Alléluia. Lélo. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. L'aigle qui quittait dans les déserts. Pongo abanaki ko uta kati na biliki. Pour abolir les autres lieux d'adoration. C'est le retour du ministère de Christ dans un homme. Alléluia. Les mêmes Christ. Christ kaka moko moko visité aujourd'hui. Ayeko tala biso lelo. Pas Dieu fait Dieu. Parce que Jésus était Dieu fait Dieu. Mais Christ dans une chair humaine. Kasi Christ kati na nzoto moko ya moto. Prenez-moi Jésus sans péché. Bonne malobete. Ngai bona mazali mo sou. Je suis sauvé par la grâce. Na kangola minangolu. Mais là ouvert un canal dans mon cœur. Afongoli, afongoli. Pour travailler en votre faveur. Pour na kosala mosala na tina na bino. Oh my 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 my. Oh Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur pour le message. Merci Jésus pour le message. Matondo Yesu pona sango. Dans la prédication, la condamnation par représentation. Ezali mo kabalité bokwe sami na botali sango. Aujourd'hui, tu ne comprends rien. Dame sous les losses oyeba rane lote. Restez, continuez à venir. Deko. Dame sous ozo kamaramo ba te ezoko tamala mute. Yo kobaka kana koyaka okoso sala. Ça va commencer à vous pénétrer. Eko banda kokota na mabanto na yo pe ko banda koyeba ngoma nene. Très bientôt, je vous dis, ça va commencer à vous pénétrer. Kala mingi te ko banda koyingela na mabanto na yo. Dans la prédication, la condamnation par représentation. Katina mokabalité ya bokwe samine. 198. Je vais dire ceci, écoutez. Na lina lo baboy boyo. Je dis frère Branham. Le binde ko bana. Aucun ministère. L'automne mon côté n'est comparable au vôtre. Amen. Et monde. Et si de par les sénateurs qui l'accompagnent. Na oya bonzamba zali kobina yango. Ah, ce sont des prédicateurs, je pourrais mentionner leur nom. Bazabe bate. Prédicateurs. Na kotanga beba komo na bango moko na moko. Oral Robert Billy Graham. Oral Robert Billy Graham. Les grands prédicateurs de cette époque là. Bate ya minene ya tango ena. Il disait votre ministère. Baba na ikolobete mo sala no ya kote. La seule chose. Ezaka kalikambo be moko. Il sauverait le monde. Oyeko kango la mokilo mobimba. Amen, 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 amen. Pourquoi ne retrouvons-nous pas cela nulle part ailleurs? Ponanini ya boye tozali kokuta ngone sika mosusu. Revenons à la parole. Tosongela liloba. Revenons à la parole. Tosongela liloba. Ce ministère ici. Mosala kote yao. Nulle part ailleurs. Et sika mosusu te. Le ministère pour sauver le monde. Nulle part ailleurs. Mosala kote pona kokangola moki. Les pasteurs ne vous diront jamais que les rouges à lèvres c'est mauvais. Il ne vous dira pas cela. Il ne vous dira jamais que les boucles d'oreilles c'est mauvais. Ils ne vous diront jamais que les pantalons c'est mauvais. Parce que lui-même boit, sa femme est là, la chair. Ma pasteur. Comment il peut vous la vérité? Mais l'unique ministère. Qui vous montre la vérité. C'est ce ministère ici. Parce que nous sommes dans une mission. On est rassembler les gens. Mais de préparer les gens. À un événement. Quand nous venons dans l'église. Dès qu'on a besoin de mariage. On a besoin de l'argent. On a besoin de cesser cela. Posa tous à la malamu. La chose principale. Et là comme tout y a collé. Les gens venir à l'église. Vous allez comme maman tu vas à l'église. C'est pour avoir la vie éternelle. Et ça pour na kozo bomo ya seko. C'est pour avoir la vie éternelle. Et ça pour na kozo bomo ya seko. Parce que bientôt c'est la fin. Pour te kalamingi te za suka. Ça chauffe partout, même ailleurs, partout. Makambo ça passe mon kilimobima. Mon kilimobima. L'échauffement que nous entendons ici, que nous
que nous ressentons ici. Molungo tozo yokawa. Ce chauffement ici. Molungo. Fabanama dit. Dobanama lobi. L'enfer est ouvert. L'ifelo est fongwami. Le capuchon de l'enfer a sauté. Mofinu kunango est fongwami a pumbwe. Vous ressentez un peu de chaleur là. Ozo kawa mo mulunge wana. Les chaleurs que vous sentez ici. Mais dans l'affaire, c'est comment? Il y a un ciel à désirer. Et un enfer à éviter. Aimez quelqu'un qui vous dit la vérité, frère. C'est pas là la moto qu'on a mis sur mon salon de cou. Il sert son passé, lui dit Branham, il est ceci, un faux prophète, il est ceci, cela. De comment si mon attend à Branham en Alobané, mon kengel en Alobané, Branham a sa moussakola, le coup tate à Matia Malamouté. Cette femme-là, il a même dit que mon chien n'écoutera jamais la prédication de Branham. Moi, si on a la pinda à l'obingaï, Ataï, mon ango, kotika la koyo, katalité à Branham. Il acheta son passé, une parcelle. Il a construit une maison pour son passé. Il a acheté des véhicules. Mais à la fin, l'enfer. 5 minutes avant sa mort, il va là où il va, il part. Je vois les démons qui sont. Il est en train de grincer les dents, d'ouvrir les yeux, il est parti en enfer. Il y a un chrétien meurt dans le calme. Parce qu'il voit les anges tout autour de lui. Il y a un cortège pour les prendre. Pendant qu'il voyait l'enfer, son passé entre les vers, il entre avec les vestes que lui avait acheté. Mon kengeni na ya koti na kazaka ne wana yewa na yekota na mundi mina obela na sambele la yende na misa. Asiloko la star moko boy. Mon kengeni la talogwa nganzembo moko songo. Achi biloko pembe koto pasteur atia mandefu kumi pembe. Mon kengeni akomisi mandefu pembe abendi bote. Achi moi pembe mususwa wa. Achi moi mususwa wa. Abi maronet moko lo moko boy. Il a chassé ses passés là comme un chien. J'étais donné tout. Yo, l'estime. J'ai construit la maison pour na toi. Qu'est-ce que toi tu m'as donné? Kasi. Yo, je vois l'enfer. Appelez-moi Branham. C'était trop tard. Allez à l'église, là on vous laisse vous porter les pantalons, vous êtes libre, mais votre fin, tu vas regretter. Les jugements commencent à la chair. Et les chrétiens ne passeront jamais au jugement. Christ, nous venons à l'église pour que les passés nous disent la vérité. Les esclaves d'Israël ont accepté d'être esclaves. Il a rejeté le son de la trompette. Après 150 ans, c'était le jubilé. Les esclaves retournaient dans l'air. L'esclave qui dit non, moi, je mange bien ici, je me sens bien. Ou bien lui coller quelque chose dans le cou. Pour montrer qu'il est esclave pour défendre. Maintenant, toi, tu n'es pas esclave. Pourquoi tu as mis les boucles d'oreilles? Porter ces histoires, c'est le signe d'être un esclave pour des bons. Les autres ont trouvé même les nez. Avec les chaussures et le cou. C'est le signe d'être esclave.
Sortez dans cet esclavage ici. Crois la parole. Reçois la trompette de ton jour. Laissez le ministère qui sauverait le monde. C'est ce ministère ici. Écoutez encore les prophètes. Oh, prospérez. Oh, pafuka. Réalisez des grandes choses. Bosa marama minene. Et allez dans des grands lieux. Bokende ba mboka minene ba pa. Ça ne veut dire rien. Yango soke salemeli opona nzambe. Elakisi nango loko te. Absolument rien. Ezola tsakute loko moko te liboso nzambe. Amen. Amen. Ça veut dire tenez-vous à la parole, crois la parole de ton jour, prospérez. Allez dans des grands lieux. Ça ne veut rien dire. Dieu peut vous le donner gratuitement. Mais le problème, crois la parole de ton jour. Par ces écritures, les prophètes nous montrent que le ministère de cet Élie, l'aigle de Malachi 4 consiste à ramener les gentils devant la présence de Dieu. Dans le ministère du discernement, exactement comme il en était chez les Juifs et les Samaritains. Car ce ministère est l'unique chose dans la main de Dieu capable de sauver le monde. Est-ce que William Branham est-il réellement le temple de Dieu? Solo William Branham Azali, temple de Nzambe lelo. J'ai dit oui. Nandimi yango bongo. Qui peut me donner un amen? Amen. Il croit aussi comme moi. Nangozo ndima ngolo kwangai. Est-ce que le temple d'aujourd'hui c'est William Branham? Les hommes ont dit, nous sommes les temples. Ils sont les temples. Une fille peut dire à son père que je suis aussi une femme. Comme maman, moi aussi je suis une femme. Une fille mal éduquée. Oh papa, tu peux faire avec moi ce que tu fais avec maman. Oh tata, oh koki peko. Toi et maman, vous êtes des femmes. Yona maman no, binonyoso, boza, basi. Mais papa ne peut pas faire avec toi. Tu es une femme, c'est la vérité, tu es une femme. Oh sape, moi si. Mais papa ne peut pas faire avec toi ce qu'il fait avec maman. Kasi tata na yo. Branham n'est pas épouse celle. Branham azali moi si na libala ye moko te. Tous nous sommes épouses. Biso nyonso toali basi na mabala. Mais Dieu ne peut pas. Dieu est limité. Kasi nzambe achini. Chez nous il est limité. Et pas na biso azana ndelo. Parce que dans cet âge, pwetelele koyo. Il y a tes promesses. Ezana bilaka. Il y a tes domaines. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Tu es aussi une femme. Mais papa ne peut pas faire avec toi ce qu'il fait avec maman dans la chambre. Kasi, tata, si il le fait, c'est l'inceste. S'il entre avec toi dans la chambre, ton père entre avec toi dans la chambre, c'est l'inceste. Quand Branham est entré dans dans cette chambre noire là, il était seul avec Dieu. Dans la nuit, il était seul à recevoir le message. Lui qui
Prophètes. Il dit, mais pourquoi tu me touches? Il dit, quand je sens ma batterie qui charge, quand je te touche, je suis chargé. Amen. Commence à tourner le dos à l'église. Yo pelo fundu, lo lendo, ozoana mokongo pesine kele zangai. Ce n'est pas votre frère. On a été. Attention, attention. Ezande ko de keba, keba. C'est un domaine. Wana za mosanda. Réservé à Branham. Et bon ma meli ga Branham yemo. Le signe messianique. Elle moya masia. Ça s'est fait qu'à trois peuples. Et salemi ga libosa, liboso libota misatu. Devant trois races. Liboso ya loposo misatu. Avec les juifs. Nabayuda. Lorsqu'il a dit à Pierre, tu es fils de Jonas. Comment tu m'as connu? Il a regardé à Philippe. Atali Philippe. Quand tu étais là, avant de venir ici, tu étais sous la bataille. Tu étais là. Tu es un Israélite. Dans lequel il n'y a pas de fraude. Chez les Samaritaines. Et pas Samaria. Oh, il a dit à cette femme, la femme, donne-moi de l'eau. Alobina moisuana moisi. La femme a dit, je n'ai pas de l'eau. A te donner entre nous les Samaritains, vous les Juifs, il n'y a pas la relation. Jésus lui dit, yes, femme, moisi. Si tu savais. So, c'est lui qui te demande de l'eau. C'est elle être la première personne à lui demander de l'eau. Comme il était une prostituée, il a compris ça de sa manière. Ah, donne-moi cette eau-là. Jésus lui dit, yes, va et appelle ton mari. Kende, ben, je n'ai pas de mari. Il avait laissé une mari à la maison. Il dit, je n'ai pas de mari. Donc, pour lui, il voyait déjà Jésus en tant que Jésus lui dit, en cela, tu as dit vrai. Il y a cinq maris. Même la sixième que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Mais comment tu as connu ma vie? On nous avait dit quand il viendra, il nous dira ces choses. Et dit ces prophètes là, je le suis moi qui te parle. Mais il est parti, il n'a pas accompli cela chez les Juifs. Et pas bah gentil. Et pas bah ton habit colo bah paya le quoi biso. Il avait promis. À la caca. Que le Saint Esprit le ferait. Et que limo Saint Akosala yango. Aujourd'hui le Saint Esprit. Le limo. A sanctifié un corps. Et bouli Saint
est entré là-bas. Lui-même il avait prophétisé. Lorsque vous verrez l'eau, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Un homme pouvait se tenir dans la salle. À la chair. Maintenant, je l'entends. Je l'entends. Oh, il est entré. Il est à deux pieds de moi. Quand me regarde, il voit Branham s'ouvrir. Branham est comme vous connaissez. Et lui entre. Branham dit maintenant, il est en train de s'installer. À un moment, il change. Et maintenant, ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas le mari de Meda. Ce n'est pas le papa de Billy Paul. Écoutez ma déclaration. En ce moment-là, si quelqu'un pouvait venir, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. C'est pourquoi une femme qui est à la chair a bien de regretter. Oh, oh, j'ai perdu ma virginité. Si je connaissais ce Dieu, je n'allais pas perdre ma virginité. Un homme vient, il le touche, il dit, femme, je te pardonne. Alléluia. Na limisi yo. À ce moment-là, na tango ena. C'était Dieu le Père. Ezala kinta metata. Dans une chair humaine. Kati na nzoto moko bomoto. Et il a manifesté les signes messianiques. Père Atalisi elembo ya masia. Tourne le dos. Il y a quelqu'un là au fond. Son nom c'est Madame Dupont. Tu habites dans telle commune. Ovandi na commune Songolo. Dans telle avenue. Balabala Fulani. Maintenant je suis dans votre parcelle. Je suis dans ta maison maintenant. Ces choses ici donnent l'onction, frère. Je vois l'état de votre lit. La lengue et a une couleur bleue. Au mur, à droite ici, je vois une photo de ton mari. Et femme, what? Tu as trompé ton mari. Mobalino. Si j'ose dire, il va me tuer. Soki na yebisi ete na bimana mobali mosu sa. Appelle ton mari. Et son mari vient. La femme commence à confesser. L'homme se lève. Tu es descend. Ainsi dit le Seigneur. Toi aussi, souviens-toi. Ces jours-là, dans une maison de en train de coucher avec une femme de toi. Quand son mari est venu, il a fui par la fenêtre. Si tu n'avais pas fui, il allait te tuer. Alléluia. Amen, 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 amen. Frère, Dieu nous a visités, frère. Depuis l'histoire de la Bible, il n'y a que deux femmes qui ont porté Dieu dans leur ventre. La première femme, c'est Marie. Marie. Malia. Il avait porté la divinité en lui. Il marchait avec la divinité. Il a mis au monde la divinité. C'est là-bas à l'est. Maintenant, l'ouest. Il y a eu aussi une femme. Là-bas, c'était Marie. Ici, c'est Marion.
Jésus la parole. Yesu liloba. Ugenju wa gitaba. Dans la prédication, la colonne de feu. Kati na litere li kontina moto. 74, il dit. Bien. Je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que c'est la vérité? Qu'il m'a amené dans ce monde dans un but. Qu'il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin qui m'a été donné par un ange. Croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que c'est la vérité? Dans la prédication des bons bergers. 51. Aujourd'hui, ma femme m'a dit, elle a dit Billy. Tu ne restes jamais à la maison. Ça fait presque 15 ans que nous nous sommes mariés. Et c'est à peine si tes enfants te connaissent. Et aussitôt que tu prends le téléphone, il y a peut-être 30-40 appels par jour. Venez ici, frère Branham, venez ici, venez par ici, venez par ici. Eh bien. Ça vous emballe. Mes chéris, regarde. Ma vie ne m'appartient pas. Amen. Elle ne t'appartient pas non plus. Dieu m'a offert comme un don au public. Amen, 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 amen. J'appartiens au public. Quelqu'un peut me donner un amen? Dans la prédication, écoutez-les. Réjean 57 soit à Paul Sondé. Il dit, maintenant, si vous me croyez, alors vous aurez ce que vous demandez. Amen. Donnez-moi les amen. Amen, amen. Donnez-moi amen. Les amen. Amen, amen. Amen. Exposé de cet âge d'église. Exposé de cet âge d'église. Page 365. Oh, mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Et que il crie encore. Agangi lisus. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme il a fait à Paul. Au jour du septième messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul, il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophètes. Amen. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Amen. Je m'entendais à une voix des amen. Ah. Je m'entendais à une voix des amen. Amen, 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 amen. Comme les Écritures viennent de nous montrer les effets de Dieu dans la chair humaine. Consiste à bénir les peuples qui croiraient. Cela, ce ministère n'est pas au bénéfice de William Branham. Il est à notre bénéfice. Mais que l'enthousiasme pour ainsi dire qu'elle est devenue aventurière. Non. Les gens qui ont l'enthousiasme sont devenus des aventuriers. Bien qu'elle a reçu le message, elle ne l'a pas bien conservé.
comme beaucoup qui crient ici. Non, frère, lorsque vous recevez Dieu dans la chair humaine, vous recevez un prophète, il y a des effets bénéfiques qui accompagnent les gens qui croient. Donc, il ne faut pas seulement demeurer dans l'enthousiasme. Remarquez beaucoup de gens qui crient lorsqu'on parle. Surtout quand on parle de mystère. Ce sont des aventuriers. Plusieurs, ce sont des pauvres même. Ils croient, mais il est pauvre. Parce que lorsque vous recevez ceci, vous êtes béni et votre vie change. Tu deviens un panneau publicitaire. Deviens une lumière placée sur la colline. Tantôt. On dit que tout celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Tout celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Il reçoit les mêmes bénédictions qui accompagnent les prophètes. Tout celui qui reçoit un juste en qualité du juste. Il est béni de la même bénédiction qui accompagne le juste. Mais toi, tu t'es réjoui, oh, Dieu nous a bénis. Quels sont les effets bénéfiques? Tu y as réussi. Oyozui. Tu restes dans l'enthousiasme. Mais continue à s'aventurier. À demeurer pauvre. À demeurer pécheur. Prostitué. Comme l'autre que j'ai réussi là. Mais il marche avec une photo de Branham là. Enfin, je vais citer son nom. Il aime beaucoup les mystères. Quels sont les effets bénéfiques de cette photo là? Pauvre, pécheur, un aventurier. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. C'est dans la prédication 1 sur 1 million. Paragraphe 12. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous êtes simplement ce que nous avons l'habitude d'appeler, pour ainsi dire, un aventurier. Quelqu'un qui saute simplement sur quelque chose et qui espère que cela aura lieu. J'espère ceci et espère en cela. Et s'interroge. En sera-t-il ainsi? Mais Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Il veut que nous sachions ce qu'il a dit concernant ces jours. Et qu'ensuite nous l'affrontions par la foi. Mais parce qu'il a dit qu'il en sera ainsi. Il a dit que celui qui croit est béni. Celui qui écoute est béni. Ne sois pas seulement quelqu'un qui saute, qui crie. Tu demeures un aventurier. Mais tu dois affronter cela par la foi. Donnez-moi les amen, frère. Amen. Parce qu'il a dit qu'il en sera ainsi. Nous saurons que vous êtes donc dans la vérité. Parce que vous n'aurez pas reçu la parole d'un homme à ce sujet. Mais vous aurez reçu sa parole concernant ce que nous devons faire. Pour confirmer encore l'écriture. Dans la prédication, tenez-vous tranquille. Paragraphe 5. Et j'ai toujours éprouvé un profond respect pour les Canadiens. Parce que vous êtes conservateur. Oh, my. Branham aimait beaucoup les Canadiens.
Canada. Ils ne reçoivent pas seulement les messages. Mais ce sont des conservateurs. Bazali baba teli malamu. Est-ce que vous conservez le message? Ozo batela malamu sango. Est-ce que tu as la vie du message? Oza na bomo ya sango. Croire le message. Kondimela sango. C'est vivre le message. Ezande kopika yango. Là dans les sites. Kuna nebimela. On peut se mettre à prêcher. Et les gens crient et pleurent. Vous savez Allez. Ce que les cides, hein? Mais les gens du nord, les Canadiens, sont conservateurs. Mais les gens décident. Et ils crient. Et ils pleurent. Mais ils ne sont pas les conservateurs. Mais les Canadiens. Et ils conservent. Oh. Mais ils reçoivent les messages de la même façon. Ce qui compte, ce n'est pas tellement comment nous réagissons. Ce qui compte, c'est combien cela s'ancre à l'intérieur. Amen. Ouézana motuya. Et ça te le lengue toko sepela nango. Et ça ne le lengue zali ko kota na mite manadi sope ko vanda ko zesika. Le message et le messager c'est la même chose. Branham a le sango. Na momemi yango basé loko moko. Ça ne veut pas dire que Branham est le message. Non. Et lingi ko lobate ke Branham a komi sango te. Peut-être les autres comprennent cela mal. Tamso bamso ba oso solongo mabi. Ça veut dire la vie du message. Et lingi ko lobate. C'était la vie d'Abraham. L'homme ne peut pas vivre au-delà de ce qu'il parle. Un prophète lorsqu'il amène la parole, sa vie doit se concorder à la parole. Ça veut dire, sa vie, sa façon de parler, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, c'est la parole. Et kolobete, bomo ine mobimba. Lolengene ya koloba, lolengene ya kolata, lolengene ya kozala na bajalani. Vous êtes les messagers de ce même message. Pende ko bana malobete, bozali ba memisango ya sango moko moko. Vous aussi vous devez être un avec le message. Elingi kolobete bino pe sengeli boko kanana sango. Dans les quartiers, dans les rues, on voit la vie de la parole. Na balaba lo vandi. Na komino vandi na lopango vandi baso mona bomo ya liloba kati na yo. J'ai dit à un frère que moi aussi le message je suis un. Mon frère. Non bien de mon. Na ipena sango za mon. Obinde ko zotuka na lobia. Tu ne comprends pas ce que Ozo soso la malamu. Le message kal un. Ozo la kisa mumemi sango na sango. Moi aussi le message vous devez être un. Yo pena sango et sengeli boko ma moko. C'est pourquoi Branham dit au lieu de me prêcher sans serment. Tina nango Branham lobi ne sikote anga mate en kama moko. Vivez moi un seul serment. To sape et cela me suffit. L'ange et la tabernacle. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. À travers un prophète. Son nom c'est William Marion Branham. Il n'est pas notre Dieu. C'est un dernier messager. C'est l'homme Malachi 4. Quand il dit un mot, qui peut le contredire? Quand il dit un mot, le ciel reconnaît sa voix. Même la terre a reconnu sa voix.